45 ans de ma vie. Comment je vais lui dire ça, moi ? C'était harassant. C'est vrai. Une journée difficile. Trop difficile. Je suis contente de pouvoir rester difficile. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ah, t'es toujours dans les bouquins. Ah ben oui. Mais tu me les auras par cœur, tes bouquins. Qu'est-ce que tu veux? Les hiéroglyphes, c'est pas de l'espagnol. Faut apprendre. Je suis comme tout le monde. L'Égypte me passionne. Ah, ça, je le sais. On y va en vacances tous les ans. Pas tous les ans. Trois fois, nous y sommes allés trois fois. Je sens que c'est qu'un début, on va y retourner. Oh oui, cet été, tu veux bien? Mais tu penses qu'aux vacances? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas un chef d'entreprise en pleine activité, comme toi. Non, mais tu es ma principale actionnaire à 51% quand même. Plus les 5% du cousin idiot, les parts qu'on a données aux enfants et les 10% de ton frère. Du coup, à moi, il me reste... 24%, tu me le répètes tous les jours. Eh bien, achète-moi mes parts. Tu me roulerais. Moi aussi, je m'arrêterais bien. Toi? Tu n'as plus quoi faire de ta peau. Faudrait que tu trouves un remplaçant. Ou un acheteur. Un acheteur? Mais je croyais que les enfants... Les enfants, Julien est marié, il vit sa vie. Bah, et Juliette? Juliette, je me demande... Rebonsoir. J'ai oublié mon sac. Tu sors, hein? Ouais, je vais au New Darling. Il passe les milkshakes. Vous vous rendez compte? Ça va être énorme. Ça va être énorme. Bon, c'est pas tout ça, mais je suis en retard. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais tu rentres à quelle heure? Tu disais quoi à propos de Juliette qui devait reprendre l'entreprise? Rien. Je te disais rien. Le monde a bien changé. On travaille plus sur une génération, on travaille sur quelques années. Tu me parlais pas d'entrepreneur tout à l'heure? Où? Toi, tu me caches quelque chose. Tu as trouvé? Peut-être. Ah, c'est donc ça. Tu me semblais bizarre aussi depuis quelque temps. Combien as-tu d'actions? Et si on faisait un grand voyage? Si on achetait un bateau de pêche? Et moi, tu ne serais pas en train de revendre en douce l'entreprise de mon père? J'en ai fait une société internationale de son garage à vélo. Oh, tu insultes la mémoire de papa. N'était pas un garage à vélo. C'était une fabrique de boîtiers de luxe. Un atelier avec 3 ouvriers et 1 apprenti. Mais aujourd'hui, on est 80. On a 5 filiales, dont une en Europe de l'Est et une autre en Amérique latine. En Amérique latine, oui, je sais. Allez, sérieusement. T'as trouvé un acheteur? Possible, oui. Disons qu'il y a du nouveau. Tu es toujours d'accord pour vendre? Mais bien sûr, mon chéri. J'ai toutes les procurations. Et dis-moi, ce serait une chance de céder maintenant dans de bonnes conditions, je veux dire, la conjoncture... La conjoncture n'est pas si mauvaise. Bah, tu me disais que les gros clients veulent un regroupement de sous-traitants, nous ne faisons plus le poids. Justement, j'ai peut-être un repreneur qui fait le poids, lui, et qui ferait encore plus le poids avec notre groupe Sigma Duplessis dans son escarcelle. Alors après, tu m'emmènes en Australie? Oh, allez, tu m'as promis... En Australie, tu vas perdre ton temps. Il n'y a pas de pyramide. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur? De quoi, non? De ce que tu vas faire, c'est autre chose. Arrête, Jérôme. Ça fait combien de temps que tu es mon comptable? Ton expert comptable.
mon expert comptable, excuse-moi. Tu expertises comptablement pour moi depuis quand? Une quinzaine d'années. Mais tu ne m'avais jamais demandé de préparer le dossier de vente de Sigma. Menteur, ça fait au moins 10 fois qu'on essaie. Ça foirait toujours avant la deuxième visite de l'acheteur. Je m'étais habitué. Cette fois-ci, tu me demandes de finaliser la proposition. Alors je m'inquiète, mon vieux. C'est normal. Ben, y a pas de raison. Cette fois-ci est la bonne. Comment le sais-tu? Ben, je le sais parce que je le sens. Et puis, c'est la première fois que je suis épaulé. J'ai Stéphane. Ah, ton conseiller en session. Vous en êtes déjà à vous appeler par vos prénoms? S'il avait connu avant, on aurait déjà vendu depuis longtemps. Ah ça, chaque jour qui passe, on la vend plus compliquée. Le chiffre d'affaires piétine, on a réduit les effectifs de 90 à 80 personnes. Bah le même chiffre, avec moins de monde, c'est tout bénef ça. Oui mais il y a les projections. Si on ne fusionne pas, on va perdre les clients. Je veux dire le client, c'est ça la fragilité. Le ministère de la Culture et l'Académie des Beaux-Arts veulent un regroupement des sous-traitants et même des bureaux d'études. Alors où on fusionne, ou on meurt. On ne fusionne pas, on vend un plus gros. Je trouve que c'est une excellente façon de fusionner. Et ton conseiller en session, il a trouvé un acquéreur? C'est aussi un commercial, dis donc. Non, il ne l'a pas trouvé seul. On l'a trouvé ensemble, lui et moi. Il m'a simplement conseillé de m'adresser à la chambre de commerce. Et eux, figure-toi, ils ont des listes. Alors, ce dossier financier? J'ai fini, enfin, à peu près. Comment à peu près? On est sur le coup depuis bientôt 6 mois. Oui, mais les chiffres, ça évolue, figure-toi. Enfin, le nettoyage du bilan est terminé. On a sorti les immobilisations inutiles. Les comptes clients sont apurés. Ah bon? Tout le monde a payé ses factures? Faut pas rêver, mais tout est clair et les escomptes ne sont même pas nécessaires. Les investissements matériels ont été provisionnés et puis ben, la trésorerie, elle est largement positive. Ah, ça c'est moi. C'est grâce à moi. On va disposer de plus d'1 million d'euros pour l'exercice. Alors, tout est bon? À mon avis, oui. À ton avis. T'as intérêt à le défendre, ton avis. Parce que mon ami, le conseiller, vient chercher ton rapport pour l'inclure dans son dossier de présentation. Monsieur le Président, votre femme sur la 2. Je prends. Marie-Pierre. Chérie, c'est encore moi. Dis-moi, j'ai oublié de te demander un renseignement. Un point de détail, hein, tu me diras, mais tu vends combien? Mais chérie, je peux pas te dire ça comme ça. Il y a un chiffre d'affaires, un bénéfice, des valorisations. Et puis tout cela va ressortir un prix de vente, avec des paiements échelonnés, une garantie de bonne fin. Mais je te demande ça parce que ma copine Bernadette, enfin son mari, vend sa boîte lui aussi. Et elle me dit qu'ils vendent au prix des fonds propres. Ça veut dire quoi? Une seconde, tu veux? On vend combien par rapport aux fonds propres? Faut pas rêver, ça dépendra des formules de calcul qu'on appliquera au rendement. Peut-être les 3/4. Les 3/4 des fonds propres? Tu te fous de moi? Ah tu sais, aujourd'hui, la valorisation, c'est l'acheteur qui l'apporte. En intégrant nos activités aux siennes. Chérie, tu es mort ou t'as raccroché? Non, non, je vérifiais. On vend un peu en dessous des fonds propres. C'est-à-dire combien? 1,9 million d'euros? Quoi? Mais le chiffre d'affaires annuel dépasse les 5 millions. Mais ma biche, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui reste. Et sur ce qui reste, il y a combien pour nous en clair? 1,2 million. 1,2 million? Ah mais c'est non, tu m'entends? C'est non, non et non. Allô Marie-Pierre, c'est Jérôme. Ne vous affolez pas. Je vous jure qu'on fera au mieux. Vous savez, ça n'inclut pas le patrimoine immobilier qui reste à vous. Si vous me le dites, Jérôme. Je vais devoir vous faire confiance. Allez-y. Ça va pas être du gâteau. Mais non, elle sera d'accord. Monsieur le Président, votre conseiller est arrivé. Faites-le entrer. Ça va, Louis? Bonjour, Stéphane. Ça va bien. Monsieur? Alors, ce bilan financier est prévisionnel, c'est prêt? Absolument. Je veux dire, absolument pas. Naturellement. Les chiffres, c'est comme l'heure qu'il est. Ça change tout le temps.
Bon, moi, j'ai fait ma partie. Présentation, historique, définition de l'activité, répartition des pourcentages entre les filiales, personnel, ressources humaines, état du marché, perspective. Je me suis servi du bilan que vous m'avez envoyé par mail. Il me reste à joindre votre dossier financier et à remplir les chiffres que j'ai laissés en blanc. Ah, j'ai aussi intégré une série de graphiques à barres et camembert pour comparer les trois dernières années d'exploitation et visualiser l'évolution. Au fait, vous avez l'accord écrit, tous les actionnaires ? Oui. Je vous les donnerai. Approche économique, état patrimonial. Bon, je crois qu'il ne manque rien. Tenez, en prime, le tout en écran PowerPoint sur cette clé USB. Vous allez pouvoir faire la présentation vous-même. Mais je ne pourrais jamais faire ça. Vous avez suivi un stage à la chambre de commerce, non ? Les éléments d'une vente, vous connaissez maintenant. Alors c'est le moment de vous en servir. Vous savez, le meilleur vendeur, c'est encore le PDG. Excusez-moi, je l'avais laissé sur mon bureau. Eh bien, vous avez un joli parcours, dites-moi. Alors, en résumé, vous étiez cadre commercial dans l'industrie. Dans l'industrie pharmaceutique. Plus exactement, je m'occupais de conditionnement. Le boîtage, l'étiquetage, la mise sous blister et le cellophanage. Je vois. Et puis vous avez bénéficié d'un plan social. Et vous avez fait en plus un héritage. Alors plutôt que de continuer à pointer au chômage, vous préférez racheter une entreprise, c'est bien ça ? C'est ça. Je n'ai pas l'âge de la retraite. Et puis j'ai toujours eu de l'ambition. Je crois que dans ma partie, je ferai un bon patron. Et c'est le groupe Sigma Duplessis qui vous intéresse. Pourquoi ? Eh bien, ils sont dans l'emballage, l'encadrement, c'est un peu la même chose, non ? Pas vraiment, non. Eux, c'est plutôt la gestion de l'artistique, voyez-vous. Les cas, des transports de tableaux, les expositions entières. Oui, enfin, l'important, c'est de développer. De développer le chiffre d'affaires, je veux dire. Et le développement, c'est mon domaine. Vous avez déjà dirigé une entreprise ? Non, mais je connais le management des hommes. Mais pas la gestion, ni la finance. J'ai suivi un stage à la SCI. 5 jours pour reprendre. Sur les conseils d'un de vos collègues, d'ailleurs. C'est un très bon stage, en effet. Mais 5 jours, c'est un peu juste. Vous avez autre chose à me proposer ? Oui, bien sûr. Mais des affaires plus petites. Vous en trouverez dans notre bourse d'opportunités régionales. Ou dans celle du CRA. Le CRA ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau d'anciens dirigeants d'entreprises à la retraite qui travaillent avec nous. Mais tous ces conseillers, ça coûte cher. Non, pas à ce stade. Maintenant, si l'affaire est importante, c'est plus compliqué. Et il vous faut de vrais spécialistes. Un juriste, un expert comptable, un conseil en cession-acquisition. Mais croyez-moi, pour border un achat et ne pas se casser la figure, il vaut mieux être bien entouré. Ou 3 conseillers, ça coûte une fortune. Mais monsieur... Lucas. Mais monsieur Lucas, il y a un moyen de limiter vos frais. Visez moins haut. Sigma Duplessis est une PME sans doute, mais une PME de 80 employés tout de même. Ça ne se gère pas comme ça. Qui est-ce qui vous a aiguillé sur Sigma ? C'est un consultant du Club Conseil. C'est le premier qui m'ait parlé du dossier et qui me l'ait présenté. Et il vous l'a donné comme ça ? Comme un prospectus ? Oh non, il en a pris des précautions. Entretien préalable, fiche de motivation, renseignements bancaires... Et j'ai même dû signer un engagement de confidentialité. Oui, c'est normal. À propos de renseignements bancaires, vous avez un plan de financement qui tient la route ? Ah oui. D'abord, je peux dégager environ 300 000 euros. Sans risque. Ensuite, j'ai un bon dossier qui attend sagement de passer devant le comité de ma banque. 300 000 euros pour une affaire qui en vaut 2 millions, c'est pas un peu court ? Non, je ne pense pas. Et puis, vous allez m'aider. Comment ça ? Eh bien, vous allez m'aider à finaliser mon dossier financier et à aller le défendre devant ma banque. Mais monsieur Lucas, je crois que vous faites une fausse idée de ce qu'est une chambre de commerce. Nous sommes à l'observatoire de la vie économique. Nous sommes là pour aider les vendeurs et les repreneurs à préparer leurs projets. Nous les aidons à prendre contact avec le niveau local, avec le niveau national si nécessaire, et même au-delà parfois. Nous les formons par des stages, des conférences, des ateliers, et même, on les aide à trouver des financements. Mais nous ne remplaçons pas les spécialistes que sont les avocats, les juristes, les experts comptables. Dans votre plan de financement, il faut ajouter le coût des conseils. Monsieur Lucas, je me demande au fond si votre recherche ne concerne pas plutôt une petite entreprise. Moi ? Une petite entreprise ? Ne les méprisez pas. Vous savez, il y en a qui valent mieux que les grandes.
Et puis votre profit personnel en sera peut-être meilleur. Ah, vous croyez ? J'en suis persuadé. Vous savez, nous, les CCI et les chambres de métiers, nous aidons surtout les petites entreprises à se développer. Et croyez-moi, on y trouve de belles pépites qui n'attendent que des gens d'expérience comme vous pour les reprendre. Si je vous propose une sélection d'affaires en rapport avec votre projet, ça vous intéresse ? Oui, bien sûr. Envoyez-la moi. Entendu. Et qu'est-ce que je dis au président de Sigma ? Rien. Vous verrez bien. Quand vous aurez pris votre décision, vous irez vous-même lui rendre son dossier, avec ou sans votre signature en bas. Merci. Agnès, passez-moi Monsieur Legrand à la chambre de commerce, tout de suite. Allô, Legrand ? Mais dites-moi, mon vieux, mais c'est qui cet acquéreur qui ne veut plus m'acheter ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Il vous a téléphoné qu'il ne donnait pas suite. Eh bien, tant mieux. Mais non, je ne vous fais pas louper la vente. Simplement, je... Mais... Bien sûr, il va vous le redonner, ce dossier. Mais non, président, vous ne risquez rien. Il a pris le dossier parce que votre groupe lui paraissait intéressant. C'est plutôt bon signe, non ? Ah non, c'est moi qui ai dû le dégoûter. Parce qu'il ne me semblait pas avoir la surface financière qu'il fallait. Non, il ne venait pas vous voler vos techniques de pointe. Vous voulez un conseil, président ? Travaillez sur le premier acheteur que vous avez vu. Verdier, oui. Lui, c'est le bon profil. Il est plus gros que vous, et s'il vous achète, sa boîte va s'y retrouver. Lui, vous l'intéressez vraiment. D'accord. Au revoir, président. Verdier. Verdier. Ils seront là dans une heure. Vous êtes sûr qu'on est prêt ? Mais oui, on est prêt. Vous êtes trop nerveux. C'est mauvais pour négocier. Bah, nerveux. Moyen de faire autrement ? Il faut y aller en confiance. Une vente, c'est pas la guerre, c'est plutôt une alliance. Tiens, je vous le dis d'expérience, mes meilleures sessions d'entreprise, je les ai réalisées lorsque l'acheteur et le vendeur s'aimaient bien. Dans les affaires, je crois qu'on marche d'abord à la sympathie. Comment voulez-vous que je sympathise ? On veut m'escroquer. Ça commence bien. Personne ne vous escroque. Le prix de vente, en dessous du montant de mes fonds propres, et mon prix net, à 70% du montant de la vente, vous appelez ça comment ? Du réalisme. Il faut se plier aux conditions actuelles. Et si on attend, ça risque d'être pire. En plus, c'est pas l'acheteur qui nous impose ces chiffres-là. C'est nous qui les proposons. Mais parce qu'au-dessus, il refuserait. Ah, vous voyez bien. C'est vrai qu'il est plutôt sympa, Verdier. Oui, son avocat aussi. Franchement, je crois qu'ils vont la faire, la loi. Faire la loi ? Mais j'aurais bien voir ça. Mais non, la loi, L-O-I. C'est ce qu'on appelle signer « letter of intent ».« Letter of intent ». Lettre d'intention, ça ne suffit pas. Comme tous vos sigles cabalistiques pour noyer le client, vous dites « EBE » au lieu de « excédent brut d'exploitation »,« RN » au lieu de « résultat net », »,« CAF » au lieu de « capacité d'autofinancement ». Vous ne pouvez pas parler comme tout le monde. Vous êtes injuste, Louis. Dans le dossier, j'ai pris soin justement de tout mettre en clair, pour vous éviter de dire que j'essaye de vous embrouiller. Je trouve que ça fait un accord plus net, plus simple. Bon, d'accord. Excusez-moi. À propos, félicitations pour le CE. Félicitations, pourquoi ? Parce que votre négociation avec le comité d'entreprise a été parfaite. J'ai pu l'intégrer tel quel dans le dossier. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, vous savez. J'ai tout simplement accepté leurs conditions, maintien de l'emploi, des effectifs et des salaires. En plus, je trouve que c'est juste. C'est bien d'imposer à l'acheteur ces clauses-là. Vous prenez un risque. Ce risque-là, je le prends volontiers. S'il refuse, on casse la vente. Vous n'aurez plus qu'à passer la main à votre fils. Ah, vous savez, mon fils, maintenant, il a fait sa vie. Il est centralien, chercheur au CNRS. Eh bien, votre fille. Ah non, alors, avec mon crétin de gendre. À propos de votre fille, elle est plus salariée, au moins. Pour que l'acquéreur m'accuse de verser des salaires fictifs, je suis pas idiot, je l'ai viré à Noël dernier. Ah, c'est bien.
Dans le CA prévisionnel, j'ai trouvé deux factures pour la société Marcos. Ils ne paieront jamais. J'ai préféré les retirer. Quoi? Vous avez préféré les retirer? Vous avez bien fait. N'est-ce pas? Quand on veut vendre, il ne faut jamais gonfler les chiffres. Surtout s'il y a une garantie de passif derrière. Ça aussi, c'est l'expérience qui me l'a appris. Ah oui, la garantie de passif. 20% du prix de vente étalé sur 3 ans. Oui, mais ils vont certainement vouloir plus. Mais aussi une garantie de la garantie. Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est une forme d'assurance, souvent bancaire, qui permet à l'acquéreur d'être indemnisé s'il a recours à la garantie de passif. Alors, il faut leur donner la garantie de passif, la garantie de la garantie. Moi, je reste salarié pendant 2 ans pour accompagner la reprise. Et puis quoi encore? C'est comme ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? À mon avis, ils relisent leur contre-proposition. Parce qu'ils ont encore 3/4 d'heure devant eux, vous savez. Eux, là. Nous, ici. Là, c'est leur position sur les provisions. Et voilà, la nôtre. Non, sincèrement, je crois que ça va coller. Oui, ça va coller s'ils sont d'accord avec notre contre-proposition. S'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ne sont pas réellement vendeurs. Et j'aimerais bien qu'ils le soient, un vendeur. Dites jamais ça. On se mettra en position de faiblesse. Je vous le dis à vous, maître, en confidence. J'en ai besoin pour conforter notre panel de clientèle. Et vous verrez que le chiffre d'affaires va augmenter du coup. Et puis, nous ferons aussi des économies d'échelle. Une seule comptabilité, pour commencer. Nous, on le sait. Mais aussi, ne les prenez pas pour des naïfs. D'accord, mais nous sommes les seuls acheteurs dans notre position. Ah, ça, vous n'en savez rien. Ils ont peut-être une autre proposition. Bah, impossible, je le saurais. Oh, bah alors dans ce cas, tout va bien. Si on veut. Je trouve qu'ils sont chers. Et puis, ils ont peut-être quelques handicaps dont ils ne nous ont pas encore parlé. Je vous dis tes faits. Il est clair, ou non? Bien sûr. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose depuis. Ah bon? C'est grave? Grave, non. Mais on peut les déstabiliser un peu, diminuer le bouquet à la signature, et puis renforcer la garantie de passif. Et c'est quoi ce cadavre dans le placard? Eh ben, ils avaient un agent commercial à la commission, ils l'ont viré il y a 2 mois, c'est tout récent. Et alors ils ont oublié de nous dire que le bonhomme n'est pas d'accord avec son indemnité, et qu'il a décidé de les emmener au prud'homme. S'ils sont condamnés, il faudra provisionner donc la condamnation, les frais, les intérêts, les dépenses, enfin tout quoi. Et ça ira chercher loin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me donne une bonne occasion de renégocier la garantie de passif et l'échelonnement des paiements. On était d'accord sur 50% à la signature et les 50 autres pourcents sur 3 ans avec un dégressif. Mais après cette histoire, je proposerai plutôt 60-40 ou les paiements échelonnés en linéaire. Si vous en êtes d'accord, naturellement. On va leur assouplir les chiffres. Et c'est tout ce qu'on a? Oui, en gros. Bon, eh bien, on y va. On les laisse venir tranquillement. Et vous, vous montrez au créneau quand vous sentirez que c'est le moment. C'est vous l'avocat, n'est-ce pas? Et dépêchons-nous. La ponctualité, c'est une arme aussi. Et vous savez qu'il me plaît bien, ce monsieur Louis? Il vous plaît? Bah, qu'est-ce qu'il a de particulier? De l'humour, mon vieux, de l'humour. Faut dire que ça a de la gueule. Présente bien vos locaux, cher monsieur. Merci. Reste à prouver que le rendement sera aussi bien que la présentation. Ça sera aussi bien, ça sera même mieux. Bien. Messieurs, voici pour chacun d'entre vous un exemplaire de notre projet de protocole d'accord, fondé sur votre proposition, bien entendu. Vous verrez, nous sommes en phase sur à peu près tout. Attendez, attendez. Vous maintenez le prix de vente? Mais je vois que vous avez réduit le montant à la signature de 50 à 40% et vous répartissez le solde en 3 annuités dégressives. Ça ne correspond pas à nos conditions de vente, qui étaient, regardez notre document, de 50-50. Pourquoi? En fait, nous avons dû renforcer la garantie de passif pour nous assurer qu'il n'y aurait pas de baisse du chiffre d'affaires, d'une part. Il n'y en aura pas! Je vous l'ai déjà dit, il n'y en aura pas! Mais que le ciel vous entende, vous savez très bien
que les clients, je veux dire les grands comptes, ne veulent plus travailler avec les clients comme Sigma, ou même comme nous d'ailleurs. Dans ces conditions, il faudra bien qu'on se regroupe et sans doute qu'on revoie nos marges, puisque les volumes vont changer. Et alors personne ne peut prévoir s'il y aura ou non maintien du chiffre d'affaires. Nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas pour autant annuler la totalité du risque de l'acheteur en le faisant supporter intégralement au vendeur. Il faut bien que vous, acquéreurs, vous preniez également vos responsabilités, comme nous prenons les nôtres. Après tout, ce sera à vous de gérer les bénéficiaires, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Déjà que nous avons envisagé de réduire le prix de vente ferme... Réduire votre prix de vente ferme? Comment ça? Vous négociez à la baisse tout seul maintenant? De vous-même? Pas exactement. En fait, nous avons découvert une perte éventuelle que nous pensions avoir suffisamment provisionnée, et puis... Mais l'expert comptable va vous expliquer mieux que moi. Il y a 3 mois, un agent commercial dont les rémunérations étaient essentiellement constituées de commissions a été remercié, disons, vertement. Nous lui avions proposé une large indemnité, en sous que l'affaire en resterait là, mais il préfère nous attaquer au prud'homme. J'avoue que j'avais oublié de vous signaler ça pendant l'audit. Or, il réclame beaucoup plus que nous lui offrions, évidemment. Si nous perdons, il y aura une dépense plus lourde, les frais de justice en plus. Ça peut chiffrer à 100 000 euros alors qu'on pensait l'indemniser pour 30 000. Nous voulions donc vous proposer de déduire 70 000 euros du montant du chèque prévu à la signature et un complément de prix, une fois l'affaire jugée, en fonction de l'économie réalisée. Une clause de complément de vente en quelque sorte, mais qui n'a rien à voir avec la garantie de passif. Voilà. Ils vous ont coupé l'herbe sous le pied, mon cher maître. Je dois dire. Bon alors, cher monsieur, on est d'accord. 50 à la signature et le sol sur 3 ans. 50% la première année, 30% la deuxième et 20% la troisième. Je ferai remarquer que vous m'accordez un contrat de salarié pour suivre la clientèle pendant 2 ans, alors que la garantie de passif court, elle, sur 3 ans. La troisième année, s'il y a récession, comment pourrais-je intervenir? J'avais bien raison. Raison de quoi? De dire que vous aviez le sens de l'humour. Décidément, ça me plaît bien. Maître, y a-t-il encore d'autres choses dans nos dossiers? Oh, c'est à peu près tout. Quelques points de détail, la vérification des sommes, puis l'accord du banquier, naturellement. Ah oui, l'accord du banquier, évidemment. Eh bien, messieurs, j'ai rendez-vous mercredi avec ce triste personnage. Mais non, je rigole. Il est sympa comme tout. Je lui remets notre proposition acceptée par tous et il la transmet à son comité de crédit mardi en 8. D'ici là, Maître Darbois, ici présent, vous communiquera notre proposition définitive pour accord. Et passons à un contrat de qualité, messieurs. Sinon, c'est mon banquier qui saute. Ça fait beaucoup d'argent. Sigma Duplessis, c'est une grosse PME. Il vous la faut réellement? Vous avez besoin de vous endetter à ce point-là? La mienne aussi, c'est une grosse boîte, monsieur Simonet. Mais très relativement. Les grands clients veulent de moins en moins travailler avec des sous-traitants de notre taille. Pour eux, nous sommes minuscules. Alors, ou on grossit, ou on se rapproche, ou on disparaît. Moi, j'aime mieux grossir. Verdier peut racheter Sigma Duplessis. Sigma ne pourrait jamais racheter Verdier. En fait, j'ai pas le choix. C'est une question d'échelle. J'ai lu l'audit. J'ai lu la proposition que vous avez faite, et qui est acceptée d'ailleurs. Vous êtes sûr que rien n'a été oublié là-dedans? Pourquoi? Vous avez trouvé quelque chose? J'ai des questions, c'est tout. Je dois défendre votre dossier mardi prochain devant le comité. J'ai pas envie d'être envoyé dans mes buts. Que votre dossier passe, c'est bien ce que vous attendez de moi, non? Eh bien pour ça, il vaut mieux que tout soit clair. J'ai souvent vu des dossiers rejetés parce qu'il manquait des informations, voire même une seule signature. Et vous savez, dans un établissement bancaire, nous avons une charte à respecter point par point. Un seul détail qui cloche, et tout est à recommencer. Eh, m'expliquez pas. J'ai constaté que vous êtes de plus en plus des administratifs et de moins en moins des hommes d'affaires. C'est pas gentil ce que vous me dites là. Si je vous pose des questions, c'est pour gagner. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai eu un dossier d'une cession d'une TPE. Le cédant était titulaire de la location gérance et n'était pas propriétaire du fonds. Et l'acquéreur, lui, était interdit de gestion et voulait me proposer un homme de bail. Mais c'est pas notre cas. Non, mais c'est pour vous dire qu'on en voit toutes les couleurs. Pour Sigma Duplessis, l'audit est bien fait. Le dossier est complet. Par contre,
J'ai quand même quelques questions. Est-ce qu'il n'y a pas des factures qui ont été émises, comptabilisées, et qui ne seront jamais payées? On le saurait. J'ai un excellent conseiller, que vous connaissez bien d'ailleurs. Eh bien, il a vérifié le bien fondé de toutes les factures en cours dans le cadre des audits. Ah, puis ne perdons pas de temps. Vous allez bientôt me demander s'il n'y a pas des salaires fictifs, s'il n'y a pas de la famille qui émarge, ou si on n'aurait pas distribué des actions pour écréter une plus-value fiscale. Eh bien non, tout a été vérifié. Et puis d'ailleurs, c'est son problème au cédant, c'est pas le mien. S'il a distribué des actions à sa femme, qu'elle demande le divorce après. Et les derniers salaires du dirigeant, est-ce qu'ils ont été réellement versés? Sinon ça ferait apparaître moins de dettes. Ça, c'est l'expert comptable qui l'a vérifié. Toutes les dépenses sont vraiment sorties. Il y a encore autre chose? J'ai presque fini. Je vous répète que j'ai de quoi développer le chiffre d'affaires dès à présent. Et puis, ils ont accepté une garantie de passif sur 3 ans. Plus un complément de prix subordonné au règlement d'un litige en cours. Et puis dites-moi, vous êtes bien contre-garanti par Oseo, n'est-ce pas? Jusqu'à 70%. Bon, on y va comme ça. Et dites-moi, votre cédant, il est propriétaire des murs, non? Oui, enfin, je crois. S'il vous reste un peu d'actif, vous devriez lui faire une proposition séparée. Parfois, il vaut mieux racheter toute l'affaire et ne plus avoir le cédant sur le dos après sa période contractuelle d'accompagnement de la vente. Oui, mais ils veulent se garder un peu de revenus avec l'immobilier. Puis vous savez, le loyer est très raisonnable. Oui, mais... s'ils voulaient vendre les murs. J'ai questionné un notaire là-dessus, un vieux copain. Dis-moi, tu veux rajouter Sigma? Oui. C'est pas bête, hein? Mm-hmm. Mais avec les murs? Avec les murs. Ben, fais-moi passer le dossier. Je demanderai à relevé cadastral. Et puis je vérifierai l'origine de propriété, puis l'intériorité, tout ça, pour voir s'il n'y a pas de risque à faire. Une servitude, par exemple, tu vois. Mmh. Ouais, ouais. Moi, il n'y a pas de ligne haute tension, quoi. Non, non. C'est une très bonne cantine ici, merci. Hein. J'habite pas à côté, mais je reviens vraiment ici. Moi, il n'y a pas l'autoroute qui passe dans le coin. Non, non. Mais je t'imagine un peu la bretelle d'autoroute qui passe devant tes fenêtres de ton bureau, tu serais content. Bon, je vais te le donner, le dossier. Mmh. Comme ça, tu pourras jouer ton Sherlock Holmes. Non. Moi, je ne fume pas la pipe, hein, Dr. Watson. Passe-moi le dossier. On trinque. Ok. À la signe. Et il l'a fait. Tout est bon. Et vous avez raison, tiens. Je vais ajouter une proposition. Comme ça, je vous demanderai encore de l'argent. Oh non! Vous n'allez pas encore me solliciter. On va d'abord s'occuper de la société. Et puis, après la réponse du comité la semaine prochaine, nous reverrons le dossier. Et vous ne me le loupez pas, ce coup-là. Bon, j'ai apporté tout ce qu'il fallait pour vous expliquer. Hein. Ma chérie, avec ou sans sucre? Sans, merci. Et vous, mon gendre? Avec des glaçons. Et du whisky. Et sans le thé. Ça me fait tout drôle d'être avec vous dans le cadre de ma profession. C'est la première fois. Mais je vous ai rien demandé, moi. Comme vous êtes copine depuis des années, Marie-Pierre a exigé que ce soit vous. Alors, je n'ai pas insisté. Il est toujours odieux comme ça? Oui, oui. Non, non. Uniquement quand tu es là. Bon, travaillons sérieusement. Donc, vous allez vendre l'entreprise et vous, Louis, vous prenez votre retraite. Non, non, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Je dois accompagner l'entreprise pendant 2 ans. C'est pratiquement toujours comme ça. Bon alors, je vous explique comment ça se passe. En tant que conseil en patrimoine, j'interviens à 2 niveaux. Dans un premier temps, donc, on fait le bilan de la situation actuelle, le régime du mariage, le patrimoine, les apports de chacun. Ensuite, on va prendre les donations aux enfants, les revenus, les charges, les impôts, etc. Et dans un deuxième temps, donc, si la vente se concrétise, on verra comment placer les nouvelles rentrées d'argent pour garantir le capital, optimiser les intérêts, les revenus, éviter les taxes. Mais là, vous comprenez bien qu'on ne peut bien le faire que si on a la vraie photo de la situation d'avant. Mais écoutez, Marielle, c'est très facile. On n'a rien. Elle a tout dépensé. D'ailleurs, j'ai fait la liste et elle est longue. En bijoux, en vêtements,
en gâterie pour les enfants, en voyage, en statue égyptienne, en cadeau à sa mère, en sortie au cinéma, en restaurant chic pour épater les copines, en note du téléphone. Eh bien, tout cela m'a l'air parfait. Ah, vous trouvez ça, vous ? Vous faites pratiquement cadeau de mon entreprise. De notre entreprise ? Oui, de son entreprise. Eh bien, si c'est pas la vôtre, n'hésitez pas, mon vieux, signez. Et j'en prends pour 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir que je supporte pendant 2 ans. Putain, 2 ans, ça va être l'enfer. Ah oui, ça va être l'enfer. Je vais m'arranger pour me faire licencier avec les indemnités prévues au contrat. S'il essaye de se faire licencier, je vais lui trouver une faute grave pour ne pas verser les indemnités. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plutôt l'impression que vous allez bien vous amuser tous les deux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est vrai ça, de quoi je me mêle ? Mais quoi il se mêle ? Ben, on fera ce qu'on veut. Et on fera ce qu'on veut, exactement. Et ben pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, je vous propose de signer. Chérie, je sors champagne. Tant que tu veux, je le passerai en frais généraux. Maître, vous me ferez penser à déduire du dernier versement les frais de réception du jour de la session, plus les intérêts, évidemment.